Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. Aujourd'hui avec nous, Eric Panicucci, président de l'association d'animation Contevillaise et responsable du festival Zanzibar. Bonsoir Eric. Bonsoir Aurélie. Alors le festival Zanzibar, c'est un festival qui a presque 10 ans maintenant. Alors on prend un peu d'avance parce qu'il aura vraiment 10 ans en 2020, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc la première édition s'est déroulée en 2010 sur une seule journée. Oui. Et alors, comment a évolué ce festival depuis 2010? Bien, c'est simple. On a commencé en 2010 avec un projet avec les élèves des Beaux-Arts de Caen. Et vu le succès, on va dire, modeste de la première édition, on a décidé d'en faire une deuxième, un peu plus fournie en tant que, avec des artistes un peu plus conséquents. Plus de renommée. Plus de renommée, c'est ça. Et de fil en aiguille, tous les deux ans, on s'est dit on va renouveler ce festival. Et on arrive maintenant en 2019 avec un festival qui a commencé au départ sur une journée, s'est étendu après sur deux jours en 2016. Et cette année, on fait 6 dates. C'est ça. Alors cette année, Zanzibar part en voyage. Exactement. Donc c'est pour nous emmener à la découverte de nouveaux horizons? Oui, alors part en voyage pour plusieurs raisons. La première, c'est que jusqu'à présent, le festival a toujours eu lieu à Conteville. Cette année, on décide d'aller visiter le canton. Donc on va à Honfleur, à Beuzeville et sur Conteville. On va avoir dans la thématique du festival, on va visiter les Amériques, on va visiter l'Inde, on va visiter l'Angleterre, la France. Voilà, donc part en voyage pour ces diverses raisons. Donc une riche programmation. On espère. Alors justement, comment est-ce qu'on choisit sa programmation sur des événements comme celui-ci? C'est surtout sur des sensations émotives. C'est-à-dire que j'écoute déjà beaucoup, beaucoup de musique. Donc j'écoute, ça va du blues au jazz, au rock, à l'électro, les musiques actuelles, les musiques ethniques. Donc je me fais une petite idée de ce que j'aime en musique. On est un bureau, on travaille ensemble et on travaille sur l'émotion. Donc un groupe nous plaît, on pense qu'un groupe peut plaire à un public. C'est pas toujours des groupes qui sont grand public, mais on veut faire découvrir les choses et quand ça nous plaît, on le passe. Oui, c'est ça. Finalement, votre priorité, c'est vraiment la découverte. La priorité, c'est la découverte, oui. Alors donc cette année, vous l'avez dit, on a 6 occasions de découvrir de nouveaux horizons musicaux. Le premier rendez-vous a lieu le 23 février à Honfleur. Oui. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui. Donc, on va recevoir pendant 3 dates un conférencier qui s'appelle Jacques Lefranc. Il est à la fois écrivain, joueur de jazz. Il est conférencier à l'Université populaire de Deauville et ancien directeur du festival le Jazz au Grenier d'Honfleur. Et il va nous présenter sa première conférence sur le blues. Donc ça part du blues rural au blues urbain. Parce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, le blues a commencé avec l'avenue des Noirs en Amérique du Sud, dans les champs de coton. Au départ, ils ont joué sur des instruments surtout acoustiques, avec surtout aussi ce qu'ils trouvaient sur place, des calebasses. Et après, au fil des années, le jazz a immigré vers le nord et s'est électrifié. Voilà. Et c'est donc par la force des choses enrichi aussi, peut-être de leurs expériences, enfin de leur vécu. Oui. Ensuite, donc, on a une seconde conférence qui aura lieu le 2 mars, toujours à Honfleur. Toujours à Honfleur, oui. Alors, on n'a pas donné l'heure de cette première conférence du 23 février? Les deux conférences, le 23 février et le 2 mars, auront lieu à la médiathèque d'Honfleur à 15h. Et je tiens à préciser que c'est gratuit. Enfin, tout le festival est gratuit. D'accord. Et du coup, donc cette deuxième conférence, quel en sera le thème? C'est le jazz en lutte contre la ségrégation. Ce qui est intéressant dans les conférences de Jacques Lefranc, c'est qu'il associe à la fois la musique et l'histoire. Donc on va parcourir les deux à la fois. C'est un pan de notre histoire, aussi un pan de l'histoire de l'humanité. Et donc il faut savoir que les Noirs se sont toujours battus pour leurs droits. Et à travers le jazz, ils ont trouvé un bon moyen d'expression.
Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, il y a un représentant qui, je pense, je ne sais pas s'il va en parler, mais on pense tout de suite à Miles Davis. Tout à fait. Voilà. Et donc, un troisième rendez-vous, toujours à Beuzeville. Est-ce que c'est aussi à 15h, pardon ? Alors, le troisième rendez-vous, oui, est à Beuzeville. C'est le vendredi 29 mars à 20h. Là, cette fois-là, c'est à 20h. Et la thématique, c'est le jazz français. Donc, faut savoir que le jazz est, en France, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la France est vraiment, on va dire presque après les États-Unis, précurseur sur le jazz. Et le jazz est arrivé en France en 1917 et il a évolué. Il y a eu des détracteurs au départ. Enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire, je lui laisse le soin. Mais il y a une période très, je pense qu'il va en parler aussi, une période très, très prolifique dans le jazz, c'est les années 60. Oui. Voilà. Alors justement, quels sont les grands noms ? Est-ce qu'on peut, on peut rappeler les grands noms du jazz français ? Du jazz français, comme ça, de tête. Bah, y a des noms qui me viennent. Il y a Boris Vian, enfin, pour les années 50. Vous avez, je ne les ai pas tous en tête, mais il y a des grands noms, quoi. Mais là, de tête, excusez-moi. Je vous ai posé une question piège. Non, je le sais, mais c'est vrai non, qu'avec le... Non, mais c'est vrai qu'à brûle-pourpoint, ça revient pas forcément, il n'y a pas de souci. Donc, on a dit, ces trois conférences sont animées par Jacques Lefranc, qui est ancien directeur de Jazz au Grenier, oui. Donc du Festival de Honfleur. Comment s'est faite cette rencontre Je suis amateur de disques vinyle, et les rencontres, souvent les rencontres sont fortuites. Et je l'ai rencontré sur une foire à tout, il vendait ses vinyles. Et c'est très, très... Des gens qui vendent des vinyles de jazz, c'est pas courant. On a discuté et voilà. Et de fil en aiguille, je suis allé chez lui. Ça a collé. Et ça a collé. Voilà. Oui, parce que ces vinyles de jazz, en général, on les garde bien précieusement. Oui, alors là, il déménageait. Il habitait une grande maison et il se retrouvait dans un appartement. Donc, voilà. Donc on a les trois premières dates, ensuite on a deux concerts. Oui. Donc un concert le 2 juin. Alors un concert le 2 juin à l'église de Conteville, c'est un dimanche à 17h, toujours gratuit. Et là on aura l'honneur d'accueillir deux artistes de renommée internationale. Donc c'est un concert classique, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc pour un duo guitare-voix. Sur du musique d'Espagne et d'Amérique du Sud. Voilà, donc on repart en voyage encore. On repart en voyage. Pour d'autres contrées. Exactement. Donc il y aura Alain Rizoul, qui est un très grand guitariste classique. Il est sorti de major de l'école Yehudi Menuhin. Et surtout Amaya Dominguez. Amaya Dominguez est une très grande mezzo-soprano française qui a été découverte par William Christie, un chef d'orchestre international, et pour exemple, elle a joué le Carmen à Orange. Et ensuite, on repart en voyage le 8 juin avec un concert de Guillaume Barreau Quartet. Oui. Et donc là, on part encore ailleurs. Oui, là, c'est de l'indo-jazz. Donc, Guillaume Barreau, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au Festival Zanzibar en 2014. On l'avait accueilli avec un groupe qui s'appelle Layakar. C'était de la musique indienne, des Indes. Et il joue de la flûte bansuri. C'est un des spécialistes en France de cette flûte indienne. Et il a monté un groupe de jazz qui est reconnu par la critique internationale, enfin, tout du moins nationale, on va dire, genre Jazz Magazine. Et il joue avec des gens, genre son batteur et l'ancien batteur d'Ibrahim Malouf. Enfin, c'est un quartet et de très haut niveau. Avec des beaux CV sur scène. Oui. Donc on est presque à la fin de ces 10 minutes. Donc là, on a cité 5 dates et la 6e ? La 6e, juste avant la 6e, si vous me permettez Aurélie, en première partie, on reçoit Sylvain Barbaret, c'est un artiste normand et vraiment, il faut le découvrir. Voilà. Et la 6e date, c'est le 14 septembre à Conteville, le festival par lui-même, parce que jusqu'à présent, on veut faire découvrir le jazz en profondeur, mais à Zanzibar, au festival du 14 septembre, ce sera le jazz festif.
On veut démontrer qu'on peut s'amuser, qu'on peut danser, qu'on peut faire la fête, qu'on peut être entre nous avec le jazz. Je vous remercie, on arrive déjà à la fin de ces 10 minutes. On vous retrouvera prochainement pour développer un petit peu plus ces deux concerts et le festival en lui-même. Donc on vous retrouve le 23 février à Honfleur à 15h. Est-ce qu'on peut suivre le planning? Est-ce qu'on peut le retrouver quelque part? On a une page Facebook à Zanzibar, Zanzibart. Je vous remercie beaucoup Eric d'avoir accepté notre invitation. Merci Aurélie. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.